ordentlichen BH musst du natürlich anziehen. Wir sehen, jetzt ist es bald nicht mehr wurscht, was die Burschen von dir denken. Alter. Was ist? Ich will nicht mehr nur den Haarwacher, sondern ich will mit dir zusammen sein. Morgen. Morgen. Hast du geraucht? Nein, sicher nicht. Versteh echt nicht, warum du mit lauter Wichsern umeinander hängst, komm. Bist gar nicht wie die. Du musst aufpassen, weil sonst wirst du irgendwann selber ein Wichser. Wo warst du gestern? Ich hab gesagt, dass ich lernen muss. Verarsch mich nicht, wo warst du? Danke für die Einladung. Was heißt das? Stirb und werde. Ich glaube, das hat eigentlich alles mit Angst zu tun. Also, dass man nur frei sein kann, wenn man seine Angst überwindet. L'animale. L'animale. Dit-on. Bonjour, Audrey. Précision. Bonjour, Anne de Bouche. Bonjour. Bonjour à tous. Petit coup de l'animal. Oui, hein. Vous aussi. Non, mais pour ça. On va s'en parler en antenne. Oui. Racontez-nous ce Alors, film écoutez, autrichien. Voilà, autrichien. Donc, l'animale a un thème commun à tous vos films, hein, à tous vos très beaux films. C'est encore une fois celui de la famille. Alors, famille biologique, famille recomposée, famille dysfonctionnelle. En tout cas, dans ce cas précis, il s'agit d'une famille biologique qui, pourtant, est unie et confortable, mais qui se délite par manque de communication. Je pense à Mon cher enfant. C'est aussi un film sur le passage à l'âge adulte et comment réussir à trouver l'harmonie entre l'être et le paraître, entre les dits et les non-dits, et entre son cœur et sa raison. Alors l'histoire, c'est celle de Mati. Mati est une jeune femme aux allures de garçon manqué qui consacre son temps libre à faire de la moto avec des garçons peu fréquentables qui, eux, ne pensent qu'à harceler les filles et commettre des actes de vandalisme des jeunes garçons. Elle vit avec sa mère, Gabi, une vétérinaire passionnée qui encourage sa fille dans cette voie mais qui ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément la sienne. Et avec son père, Paul, architecte blasé qui tente de faire illusion. Alors pour Mati, tout bascule le jour où elle croise le chemin de Carla et pour sa mère, tout s'effondre le jour où elle retrouve son mari avec un autre homme. Voilà pour le pitch. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Alors ce film est signé Katarina Mnuchin, j'espère que je l'ai bien prononcé. On ne pariera pas beaucoup dessus, mais on se jette quand même, on se lance. Donc c'est une jeune réalisatrice autrichienne qui fait partie de l'avant-garde culturelle et cinématographique et donc une artiste très engagée. Il est surtout porté par une actrice formidable, Sophie Stockinger, donc qui interprète Mati et qui traduit avec beaucoup d'intelligence et de subtilité justement ce questionnement autour du genre, qui est un débat d'actualité aujourd'hui. Les parents sont aussi très bien interprétés. Alors, la mère, Catherine Resetaritz, est une actrice de renom en Autriche et une collaboratrice de longue date de Michael Haneke, une bonne référence. Et Dominique Huerta, le père, est aussi un grand comédien de théâtre. En voyant ce film, on pense à Drive de Nicolas Refn, avec tous ses cadres pop et acidulés et cette musique électro qui est, elle aussi, signée d'un grand compositeur qui s'appelle Bernard Fleischmann, qui est un artiste autrichien très réputé dans le monde, dans la musique électronique. Et pour finir de vous convaincre, eh bien, la réalisatrice rend un hommage très appuyé à un film. Je sais que c'est un de vos préférés, Audrey. Oula. C'est également un des miens. Il s'agit de Magnolia, de Paul oui, Thomas ça, Anderson. Voilà. C'est pas très difficile. C'est pas très difficile. C'est mon film préféré. Ben voilà. Ever. Donc, voilà. Donc elle reprend cette séquence mythique où tous les protagonistes reprennent un titre d'Amy Mann, Wise Up, Face Camera. Donc là, dans ce cas précis, il s'agit d'une chanson populaire que vous connaissez peut-être, je ne connaissais pas, qui s'appelle L'Animale, d'où le titre du film. Elle est reprise par tous les protagonistes et elle évoque bien évidemment les thématiques du film, donc l'amour, le désir, la passion, la raison. Et donc elle dit, en gros, je vous ai traduit deux, trois phrases, cet animal qui est en moi et prend toujours le dessus et qui me rend esclave de mes passions, mais la vie n'est pas si dure si je peux renaître. Bref, comment nous dépasser en laissant de côté nos contraintes familiales, sociales et politiques pour enfin parvenir à être nous-mêmes et jouir sans entrave, c'est ce que raconte ce film, une véritable ode à l'émancipation que je vous recommande chaudement.